Mes frères catholiques, je ne suis pas sur la même longueur d'onde que vous. Depuis toujours ce constat, depuis tout ce temps je m'y résous. J'aurais pourtant préféré ne pas me trouver ainsi dans cette grande communauté, potentiellement entourée d'ennemis. Car il ne faut pas se leurrer, si je commençais à l'ouvrir, c'est dehors que je serais jeté. Les gens comme moi, ils ne peuvent les souffrir. De toute façon, j'ai bien compris que c'était mieux le dernier rang, plutôt que de jouer des coudes à tout prix pour remplir un rôle qu'ils croient important. Qui suis-je, ma foi, pour juger ces hommes qui font peut-être de leur mieux pour être agréables? C'est peut-être moi qui suis rempli d'orgueil, qui me trompe et me fourvoie en ne me mêlant pas à eux. Oui, qui suis-je, ma foi, pour juger ces hommes qui font peut-être de leur mieux pour être agréables? C'est peut-être moi qui suis rempli d'orgueil, qui me trompe et me fourvoie en ne me mêlant pas à eux. Seulement conscient que vous ne remuez que du vent, sous couvert de servir Jésus, c'est votre ego qui est au-dessus. Moi je culpabilise à chaque fois, car je viens toujours à reculons, à toutes vos réunions, où l'on se demande qui est le roi. Peut-être aussi mes amis, que j'en connais maintenant trop. Je ne suis pas sûr que Dieu il soit épris, mais peut-être suis-je trop à fleur de peau. Je n'aime pas comme ils servent Dieu, leur humilité de circonstance, leur faux air respectueux. Ils sont si loin de la petite enfance. Peut-être de leur mieux pour être agréable. C'est peut-être moi qui suis rempli d'orgueil, qui me trompe et me fourvoie en ne me mêlant pas à eux. Oui, qui suis-je, ma foi, pour juger ces hommes qui font peut-être de leur mieux pour être agréable? Peut-être moi qui suis rempli d'orgueil, qui me trompe et me fourvoie en ne me mêlant pas.